وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Comme Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran, l'être humain, quand son Seigneur le teste, l'éprouve et lui ouvre de ses largesses, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Et quand son Seigneur l'éprouve et lui rétrécit sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Certes non, Allah il dit « Certes non ». Dans les deux cas, ton Seigneur il t'a éprouvé. En te donnant, il t'a éprouvé, il t'a testé, et en te privant, il t'a testé. Mais aujourd'hui, nous, on est tellement attachés à ce bas monde qu'on mesure l'amour d'Allah pour nous selon comment il nous facilite dans les choses matérielles. Wallahi, on est vraiment des ignorants d'Allah. Et on est vraiment ignorants de la sunna d'Allah, de comment Allah agit sur cette terre avec les croyants, avec les mécréants. On est des ignorants. Est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas l'être le plus aimé d'Allah? Comment était sa vie, akhi? Quelle épreuve il a eue? Il a perdu les plus proches. Ses proches, ils l'ont traité de sorcier, de fou. Ils ont voulu le tuer. Sa tribu qui disait « Sadiqul Amin ». Pour eux, il n'y a pas plus sûr que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont traité de tous les noms. Ils ont fait toutes les manigances contre lui. Il a subi combien de temps dans le désert de la Mecque avec la famille et les compagnons et les croyants, la famine. Quand ils ont subi le blocus. Est-ce que c'est comme ça qu'on mesure l'amour d'Allah pour un serviteur? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Quand Allah aime des gens, il les éprouve. Et les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes, alayhi salatu wa sallam. Puis les plus proches d'eux, puis les plus proches. Donc, c'est quand tu es dans l'aisance matérielle et que tout va bien qu'il faut que tu aies peur, que tu te poses des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les gens, il leur arrive un malheur. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je fais tout bien, il m'arrive un malheur. Subhanallah, t'adores Allah pour ce bas monde, yahi. En compensation, c'est-à-dire, tu adores Allah juste pour être tranquille matériellement dans ce monde. Tu n'as pas compris qu'on est ici de passage, que cette vie-là, ce n'est pas une vie où on reste. Il faut qu'on la déteste, cette vie. On la hait. Et on aime l'au-delà. C'était ça la force des compagnons. Cette vie-là, ils n'en avaient que faire. C'est juste un moyen de passage. Un pont. Il faut que je passe sur ce pont, je passe sur le pont. J'en ai besoin pour passer de l'autre côté. C'est tout. C'est ça ce bas monde. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.